L'ensemble du collège a trouvé opportun de commencer cette tournée au niveau des institutions en venant exprimer leur reconnaissance pour la confiance placée en eux. Ça a été aussi l'occasion d'échanger sur les grands défis parce que nous avons trouvé une institution avec véritablement de grands défis, mais avec une hiatus des moyens et même des textes. Vous êtes sans ignorer qu'au terme de la dernière loi, les attributions du Conseil supérieur de la communication sont élargies désormais. Et nous sommes venus rendre compte justement de ce qu'il y a un assez grand fossé qui va nécessiter un grand plan de modernisation du CSE. Je pense que les échanges ont été très fructueux, qui nous permettent d'espérer très bientôt une véritable machine de veille, mais surtout un ensemble d'actions qui permettent de renflouer un peu les caisses avec l'autonomie financière que nous venons de voir et de nous attaquer à des volets parallèles comme le développement du marché de la communication et donc bien entendu l'épanouissement des acteurs de la communication comme les journalistes surtout et d'autres domaines liés à la publicité et tous les acteurs. Alors, on a aussi fait remarquer que les missions du CSE ne sont pas essentiellement de la régulation. Et nous avons décidé de faire en sorte que ce soit en amont que le travail se fasse. Vous savez que nous avions parmi nos missions la médiation, nous avons le renforcement des capacités, nous avons des études qui permettent de mieux connaître notre marché et de réunir les uns et les autres. Et peut-être que je terminerai par ça. Justement, pour travailler en amont, il serait utile pour nous de commencer par les états généraux de la communication et des médias pour faire en sorte que tous les acteurs puissent se parler et que les points d'obstacle soient identifiés et levés ensemble de manière consensuelle. Ce matin, la commission de l'informatique et des libertés s'est présentée devant son Excellence, Monsieur le Président du FASO, pour remettre le rapport public. Donc ce geste répond à une obligation de la loi, une disposition de la loi 001-2021 qui stipule à son article 61 que la CIL doit rendre compte de ses activités à son autorité chaque année par cette remise de ce rapport public. Et ce rapport, bien sûr, fait la synthèse des actions qui ont été menées en 2022. Et en termes d'action, on peut déjà dire, dans le domaine de la sensibilisation et de l'information, et la CIL a pu sensibiliser environ 15 000 personnes à l'usage responsable des technologies de l'information et de la communication. Et en termes de traitement des formalités, plus de 190 projets ont été mis en œuvre en lien avec les données à caractère personnel. Et en termes de plaintes également, une centaine de plaintes ont été reçues et bien traitées au niveau de la CIL. Et parmi ces plaintes, bien sûr, on peut noter certaines qui portent sur le non-respect de la réglementation et d'autres également qui sont en lien avec l'usage illicite des plateformes numériques. Et au-delà de ça, bien sûr, on a profité également de décliner nos perspectives à son Excellence. Et comme grande perspective, c'est déjà l'organisation de la Journée nationale de protection des données à caractère personnel qui est prévue pour la date du 30 mars à côté, dans moins de 2 mois. Et après ça, on a également en perspective d'organiser un séminaire gouvernemental pour s'entretenir avec les membres du gouvernement. Et à moyen terme, on souhaite bien sûr au niveau de la CIL aller vers l'opérationnalisation de l'éducation au numérique en collaboration avec le ministère en charge de l'enseignement. Et également, on a profité de soumettre nos doléances à son Excellence,
tels que l'accompagnement pour la construction du siège de notre institution. La Commission électorale nationale indépendante a effectivement eu l'honneur d'être reçue par son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour lui remettre le rapport public 2022-2023 qui retrace les activités et les actions qui ont été menées par notre institution au cours de cette période. Alors, vous le savez, nous n'avons pas encore à ce stade un calendrier électoral, mais au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, cela ne signifie pas que nous sommes sans activité. Nous travaillons, et nous travaillons sur quoi ? Nous travaillons à préparer nos plans d'opération. Ces opérations concernent toutes les phases du processus électoral, la révision du fichier électoral, la gestion des candidatures, l'organisation du scrutin, la gestion des résultats, la gestion de personnes spécifiques comme les personnes en situation de handicap, les personnes détenues non privées de leur droit de vote, la diaspora, également les personnes déplacées internes. L'ensemble de ces questions font l'objet de planification, de description en termes de procédures, d'organisation concrète de ces phases du scrutin et de prise en compte de ces personnes en situation particulière que j'ai cité tout à l'heure. Donc ce rapport retrace un peu ce que nous avons fait au cours de cette année et qui concerne principalement ces aspects précis. Nous avons également travaillé pour renforcer les capacités à la fois donc des commissaires et du personnel pour nous permettre de monter en professionnalisme. Parce que, évidemment, les échéances à venir, lorsque les autorités auront apprécié et décidé du moment auquel ils devraient intervenir, nous devrions être prêts pour pouvoir les aborder. À la fois en ce qui concerne l'organisation, mais aussi évidemment pour la prise en charge des questions transversales comme la communication, les risques électoraux, et Dieu seul sait en cette période combien ils peuvent être importants, et puis évidemment tout ce qui concerne des questions spécifiques comme la sécurisation, qui est devenue une question centrale aujourd'hui. Donc pour l'ensemble de ces questions, nous avons travaillé, et évidemment ce rapport rend compte de tous ces aspects. Nous avons été encouragés par le chef de l'État pour continuer dans ce sens, pour travailler davantage. Il nous a également rassuré que l'ensemble de son gouvernement travaille également, j'allais dire, à leur niveau pour faire en sorte que nous puissions avoir des conditions favorables pour mener nos opérations. Il nous a fait également donc ressortir qu'un certain nombre de départements travaillaient également sur certains points qui devraient pouvoir faciliter la mise en œuvre des opérations électorales à venir. À leur niveau, il s'agit donc de travailler encore pour faire en sorte que l'ensemble des Burkinabés puissent prendre part au processus électoral à venir et que l'on puisse améliorer évidemment la participation et évidemment la transparence et évidemment d'autres questions aussi. Vous le savez, il y a des réformes qui sont en cours. Et d'ailleurs, la CENI, à son niveau également, travaille pour contribuer énormément à ces réformes-là pour faire en sorte que nous puissions avoir un système électoral solide qui permette à ce que donc, nous puissions avoir des élections qui soient apaisées, mais aussi que évidemment les résultats soient acceptés par tous. Parce que c'est la qualité du travail que nous allons faire qui va permettre que, évidemment, ces résultats soient acceptés par tous les acteurs, qu'ils soient candidats ou que l'on soit simplement citoyen.
cadre de la présidence du FASO, deux décrets importants ont été examinés et adoptés. Il s'agit du projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de coordination du foncier, en abrégé ANCF. Ce qu'il faut dire, c'est que cette structure, qui sera donc rattachée directement à la présidence du FASO, est un secrétariat technique qui a reçu la mission de coordonner et surtout d'accélérer tous les processus en cours en termes de digitalisation de la gestion donc du foncier. Il s'agit d'une étape importante en vue de créer donc les conditions d'une plus grande transparence dans ce secteur et surtout, il devrait favoriser donc la gestion de l'apurement du passif foncier. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme vous le savez, le foncier aujourd'hui est un secteur au Burkina Faso qui fait l'objet de beaucoup de tensions et qui est porteur aussi des germes de conflits, non seulement dans les centres urbains, mais également, bien sûr, en campagne. Et donc, ce secrétariat technique-là a pour mission de coordonner les activités de tous les départements donc, qui sont impliqués dans la gestion de ce processus-là, afin donc de donner un coup d'accélérateur, notamment dans le processus de digitalisation. Le deuxième décret donc, qui a été adopté est un décret qui porte conditions et modalités de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées des mauvaises pratiques dans les administrations publiques ainsi que les récompenses y afférentes. Ce décret vient concrétiser la volonté affichée par le chef de l'État et bien sûr l'ensemble donc des autorités de la transition de lutter avec beaucoup plus d'énergie contre les mauvaises pratiques dans l'administration mais aussi contre la corruption. Ici, il s'agit véritablement de permettre à l'ensemble des citoyens qui sont soit victimes ou témoins d'actes de corruption ou de mauvaises pratiques dans l'administration publique de pouvoir exercer leur droit donc de dénonciation et surtout que ces actes de dénonciation puissent donc être également transmis au niveau de la présidence du FASO. Donc ça veut dire que le citoyen qui dénonce peut et doit transmettre une copie de la dénonciation au niveau de la présidence du FASO qui pourra donc prendre en charge également cette question et s'assurer donc que le nécessaire soit fait pour donc poursuivre, sanctionner, réprimer donc tous les actes de corruption qui vont donc être dénoncés et qui seront avérés. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au terme de ce décret, il est prévu aussi des récompenses pour ceux qui vont donc dénoncer ces actes de corruption et s'il s'avère que ce sont donc des dénonciations et des actes qui sont fondés. Il y a des modalités de récompense de ces citoyens-là qui vont être définies par un arrêté interministériel entre le ministère de l'économie et puis bien sûr les autres départements ministériels donc, qui sont impliqués. Donc il s'agit d'un décret qui a vraiment pour motivation principale de donner encore plus de capacité et donner encore plus d'engagement dans la lutte contre ce phénomène-là qui, jusqu'à présent, gangrène l'administration publique et surtout remet en cause beaucoup donc d'actions qui sont implémentées au niveau politique afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous sommes là ce matin pour la visite au chantier de l'usine de transformation de tomates. Il faut dire que les travaux en tout cas ont été engagés depuis un moment et nous sommes venus constater l'avancement de ces travaux. Ce que nous avons pu observer, nous avons vu en tout cas des bâtiments qui sont réalisés avec beaucoup de technicité et l'avancement est plutôt satisfaisant. Même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes quant à la suite. Parce que nous avons vu en tout cas une équipe très engagée, et jeune et motivée en tout cas à atteindre les résultats qui nous ont été demandés. Il faut aller vite, tout est urgent. Et il ne s'agit pas forcément de rallonger les délais. Non, ils ont eu des délais, mais on espère bien sûr qu'ils fassent le plus vite possible pour mettre ces infrastructures, bien sûr, en service et faire bénéficier à la population des produits dérivés de cette structure. Donc, même si on peut finir ça demain, bien, ce serait la bienvenue. Donc, il faut dire que cette satisfaction n'entache pas le fait que le travail qui est fait ici est professionnel, mais c'est juste une impulsion pour les inviter, bien sûr,
travailler davantage au plus vite pour terminer ces travaux. Je pense qu'il n'y aura pas de défi parce que des visites terrain ont été organisées, des visites aussi d'études auprès de certains pays où nous devons récupérer les équipements ont été réalisés pour être sûr que l'équipement qui sera mis en place ici pourra être aux bonnes normes pour permettre une production efficace.